filmer n'importe quoi. Tu filmes tout et n'importe quoi ici. Ouais, c'est vrai, surtout et n'importe quoi. C'est en filmant n'importe quoi qu'on fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est un bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve au bord de l'eau. Donc, merci Sébastien de m'avoir invité, de m'a fait découvrir ce nouveau port d'eau que je ne connaissais pas. Je t'ai invité ? Non, c'est vrai que tu ne m'as pas invité. Non, j'ai non, payé. T'as payé ta part. Tu payes ma part. Non, non, t'as payé ta part. C'est vrai. Non, non, ça ne me dérange pas qu'on partage ça, mais on va déconner. Donc... Ouais, c'est vrai. Pendant que moi, c'est ça. Bon, Saint-Didier. Entre bon, Saint-Didier et Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne. Sur Saint-Étienne et Saint-Étienne. Chalaronne. Donc, Saint-Étienne sur Chalaronne, un plan d'eau. On va découvrir, je vais découvrir ce port d'eau. Toi aussi d'ailleurs. Bah un peu ouais, effectivement. Enfin, j'aimerais bien découvrir son cheptel surtout parce que. Ouais. Avec tout ce qui se raconte, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on va voir. Ah bah, oui, 27 départs par jour. Il y a un monde. C'est ça. Donc nous allons voir. Bon écoutez, aujourd'hui on part sur un contre un, moi à la canne au cou et Sébastien carpiste. Donc ça sera à la batterie. En batterie, oui. Voilà, c'est anciennement carpiste que j'ai été. C'est vrai. Je reviens aux sources. Sur Dailymotion, il y a des preuves. Sur Dailymotion, il y a des preuves. Tout ce qui est interdit de faire, c'est en vidéo sur Internet. En même temps qu'un Ouigo, c'est un signe. Croissant, petit pas ? Avec plaisir. Lequel ? Celui que tu veux. Pourquoi pas, peut-être deux croissants. Il y a deux petits pains, un croissant. Et ben, un premier kilo. Un petit pain au chocolat. Merci. C'est même pas mec. Voilà. Tu me diras comment je te dois. Elle a oublié mon deuxième pain au chocolat. Est-ce que tu veux. Pas grave. Donc voilà, moment de partage, moment convivial au bord de l'eau, toujours. Hein. C'est ça. C'est ça aussi, les pêcheurs de 2020. Avant ils n'avaient pas le droit. Avant ils hésitaient. Ah, heureusement qu'on est là. Donc on va partir sur un petit concours de 4-5 heures. Jusqu'à 14h, 15h, on verra en fonction du temps aussi parce que là ça commence à se couvrir quand même. Et Seb avant que j'arrive il s'est pris une belle saucée. Parce que moi je suis là depuis 6h du matin. C'est pas pour autant que je mène au score mais bon. Ouais, c'est toujours 0-0. Particulier avec 3 l'eau elle est passée de 26 à 13 en l'espace de 15 jours. Hein. Ouais, t'imagines? Ah ouais. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais là, Sam? Alors là, je vais spawner sur mon poste, c'est-à-dire que j'ai trouvé une zone où c'est un petit peu plus dur au milieu de l'argile. Du coup, j'ai marqué le poste avec un repère là-bas et je vais spawner, c'est-à-dire que je vais amener de la particule. Au moyen de ce spot, sur la zone que j'ai trouvé. Alors, un mélange de chènevis et de maïs. Et j'envoie en fait au contact de l'eau. Le clips libère les particules et ça se déverse en précision. C'est pas mal pour de la pêche de précision à distance quand on n'a pas de moyens embarqués, contrairement à mes habitudes en bateau. Mais c'est bien, ça permet de toucher à tout dans cette pêche. Un geste précis, assuré. Ouais, non, pas celui-là. Mais pas celui-là. En théorie. C'est ça aussi de reprendre les bases. Quand tu pêches toujours en bateau, quand tu déposes en bateau, quand tu amorces en bateau, t'en oublies les bases, mais ça fait du bien. Tout à l'heure vous avez entendu Seb, hein, donc les eaux se sont un peu refroidies. Donc on va partir aujourd'hui sur du carnet, comme j'aime beaucoup le faire. Donc avec du Monster Garlic, du crabe, de l'ail. Donc c'est pas mal pour les poissons chats apparemment. Donc j'en ai déjà fait deux. Deux poissons chats.
assez rapidement d'ailleurs, ils sont vraiment sur le coup. Mais bon, c'est pas grave, il faut faire avec. Hein. Étant donné que j'ai pas énormément beaucoup d'heures de pêche, donc là on va partir sur 4 heures de pêche à peu près, donc je vais cibler vraiment le poisson et partir sur de la petite particule avec des micropellets en 3 mm. J'ai fait 4-5 coupelles, des bonnes coupelles d'amorçage, donc avec le Monster Garlic. Quelques jours auparavant aussi, Seb était venu plusieurs fois d'affilée pour amorcer à la graine en fait. Donc maïs, du blé, de la tiger et du chènevis. Donc à la coupelle en plus, je suis parti sur ça aussi. Alors Seb, après ton spomb, ton amorçage avec le spomb, qu'est-ce que tu vas faire là? Ben là, je vais redéposer une canne. Ça peut brasser un petit peu sur le secteur. Je vais venir, mais je vais présenter juste une bouillette flottante, ce qu'on appelle également une pop-up, sur un montage que j'affectionne bien, ce qui s'appelle le spinner rig. C'est une combi en fait entre un émerillon agrafe et puis un micro émerillon au niveau de l'èche. C'est idéal pour les appâts flottants parce qu'en fait ça permet de présenter l'appât qui va venir se poser sur le fond comme ça, et en fait ça va laisser tout le mouvement nécessaire à 360 degrés à l'èche. Et ce qui fait qu'en cas d'aspiration, on est pratiquement sûr que ça pique proprement. Ça pique correctement. Voilà, ce que j'aimerais bien vous prouver aujourd'hui. Et ce que j'affectionne particulièrement, c'est l'usage des petits sacs solubles comme ça, qui, de une, permettent de présenter un amorçage, donc là qui est le micro-pellet à base de Scopex, et également de protéger la lèche à la descente dans l'eau. Alors ici, ça craint pas grand-chose que c'est des fonds propres, mais quand on pêche entre les cailloux ou au milieu des herbiers, c'est quand même bien agréable de savoir que dans tous les cas, le montage est pêchant. Alors, j'invente rien, mais c'est des techniques que j'utilise vraiment dans toutes les eaux. Parce que sur internet, on trouve ça à des prix dérisoires. Et c'est quand même un gros gage de sécurité de ne pas se poser la question de savoir si on n'a pas pris une branche ou une feuille ou des fois bien pire dans la Saône. Un cadavre ? Non, un cadavre peut-être pas, mais. Des trucs fémininement plus intimes. Je ne vous fais pas de dessin, mais ça m'est déjà arrivé d'en remonter, donc c'est pas l'idéal. Voilà, c'est le côté vachement sensuel de la vidéo. Je vous laisse apprécier. C'est cadeau. Voilà, donc c'est thermosoluble en fait, donc hop, un petit coup de salive. Et voilà, au moins là on peut voir que le piège est parfaitement protégé. Et ça présentera un petit spot. Un pêcheur que j'ai rencontré par hasard. Un pêcheur, c'est parce que tu disais tout à l'heure. Okay. Ferme le bivy. Ah, ça enchaîne les chars. Et encore fichonne. Ah les chats! 4-40 time! Harponné ou pas encore? Eh oui, harponné! C'est dingue! Je sais pas que c'est si con! My god! It's cat! C'est en anglais ça! Oh! Comment il a pris ça lui? Enfin, je pense que c'est une pêche spéciale poisson-chat aujourd'hui. Bon, d'une part, ça pêche avec trois cannes. Hein. Je tiens à l'annoncer. De deux,
J'ai dû faire 4 poissons chats, non 3 poissons chats. Il va devoir faire une petite carpette quand même pour rattraper le niveau. Le travail n'est jamais si loin que ça. C'est quand même très compliqué aujourd'hui. 2 heures à peu près qu'on pêche. Bah Seb n'a encore rien fait, pas une touche encore une fois. Moi j'ai que des poissons chats, ça fait 5-6 poissons chats. Donc j'ai essayé cette fois-ci de mettre une Tiger Nuts pour éviter que les chats tapent dedans. On verra ce que ça donne. De pêcher aujourd'hui avec le pelé mou. À chaque fois que je pose ma ligne, j'ai une attaque de poisson chat. Donc on va voir avec un Tiger Nuts. Ça pêche ou pas, ou ça pêche pas? Bah non, bah moi ça pêche hein. Ouais. Ça pêche les poissons chats. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Attends. En fait, j'ai un poisson qui est en gamé là et je trouve pas mon dégâts. Oh là là. Maxence nous a fait une guillaume. Oh là là. Messieurs, dames, bonjour. Regardez bien ce qui se passe en ce moment. Oh là là. Le gant des poussins. Ah, je l'ai fait, hein. Ah, je l'ai fait, gros. Je t'ai dit. Ah, tu l'as fait, ouais. Oh là là. Pari réussi, bravo. Ah, fichon. Oh, fish on en direct. Ouh. Sérieux? Ouais, je te jure. Pouh. Regarde. Oh, c'est un garde-pousse. Allez, je vous laisse. Je vous laisse. Comme quoi la Tiger, hein. Il expliquait, il n'y avait rien. Depuis tout à l'heure, je faisais rien du tout au pelé mou. Bah, je suis parti sur une Tiger. Et bah, la Tiger, ça fait la différence. Yeah, pichon. Yeah. Bien joué, poteau. Effectivement, Isalvin. Petite carpette, bien sympathique. Bien piqué. Propre, c'est cool. Ouais. C'est-à-dire qu'elle rentre et bien. On peut-être faire fuir les chats. Voilà le monstre. Tio. La petite carpette, bien sympathique. Ah, c'est un petit fiche. Mais fiche quand même. Ça compte. Ça compte. Plou, plou. Qu'est-ce qu'elle a mangé? On est ouvre. Donc finalement, à la Tiger hein, pour l'instant. C'est ce qui marche, donc on va continuer. Allez, on va la remettre à l'eau. En tout cas, un beau petit combat. Je pensais que c'était plus gros que ça au contact, mais c'est super bien. Allez, à l'eau. Ouais, soit tu prépares un soluble, comme ça je te filme en train de... Fichon. Yes, fichon.
pêche ou du berlingot. Oh, c'est comme tout à l'heure, je pense. Ouais. Ouais. La carpette. Oh, commune. Petite commune. Oh, c'est pas commun de trouver ça. Oh, il craque, mec. Ça m'écoute. Ouais, au moins de la gobée. Ouais, ça rigole pas. Ça rigole pas, ça rigole pas. Yeah, fichon. Yeah. Fichon. Ah, très très bien piqué. Hop. Son ardillon. Sympathique, gars. Oh, jolie petite commune. Bonjour, bonjour. Je me suis fait piner. Ah, c'est un jeune poisson. Hein. Ouais. Tout neuf, tout bio. Bio Hébraire. Parfait. Allez, on va repartir au bord de l'eau. Même dedans. Même dedans. Je vais la déposer au bord de l'eau. Elle se démerde. Elle ira dedans. Au revoir. Bon, écoute, ça fait plaisir, hein, Seb. Deux bah, petits bons poissons. C'est chouette. C'est bien. Cinq poissons chats. Une t'es... bonne moyenne. T'as pas trop le temps de t'ennuyer, c'est bien. J'aimerais dire la même chose, mais visiblement, les gros estomacs sont ailleurs. Bon, je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude, mais je vais le faire pour lui. Seb, viens voir. Oui. Ouais, il était pas très loin. Oui, oui. Bon, je te propose quelque chose. Ouais. Attends. Ouais. Ouais. Non. Non, ouais, non. Je te propose quelque chose de pêchable. Ah. Bon, comme à la batterie, c'est pas trop top aujourd'hui pour toi. Non. Bon, les autres jours c'est top pour lui, hein, mais là aujourd'hui c'est pas top pour lui. Écoute, je te propose que tu prennes ma place. Pourquoi pas faire du chat, pourquoi pas faire des carpes. Ouais. Comme ça, moi, ça te. Avec plaisir. Ça te permet au moins de changer un peu de registre. C'est une grande première pour moi, la grande canne. Et ben voilà. Allez. Si ça te dit. Je ne l'ai jamais fait de par le passé. Voilà. Et ben écoute, je t'installe. Et puis, c'est parti. C'est gentil. Allons-y. Souplesse d'un jour. Oh, quelle souplesse! C'est pas inconfortable. Et voilà ton poste de travail. D'accord. Alors, entre tes jambes, tu as la canne. Oui, oui. Donc c'est... tu pourrais d'ailleurs maintenant la prendre dans les mains et mettre une hèche. Parce qu'il y a des arbres. Ah oui, il faut faire attention, tu vois. Tout ah, c'est une technique. Tout est technique, tout dans le doigté. Sans déconner. Donc à toi de voir ce que tu veux prendre comme appât. Tout à l'heure, j'en ai fait une avec une Tiger Nut. La deuxième, je l'ai fait avec des baby corn boostés. Donc c'est toi qui vois. C'est toi qui décide. Il y a un peu de... Ouais. Allez, on va rester là-dessus. Baby corn boosté. Allez. Allez. Baby corn boosté. Super boosté. MST. MST. Ouais. Ah ouais. Maïs Scopex Tiger. D'accord. Ah mais ça te fait rire, ça restera gravé. C'est ça, je m'en souviendrai. Bon alors, je t'ai vu faire. Voilà, en manche, jusqu'au bout. Ah, donc j'ai emmanché une MST. C'est bon ton truc. Ouais, c'est long, mais tu vas voir que c'est assez lourd. Ouais, confirme. Alors, comme repère, tout à l'heure, tu vois à droite, mets ta canne bien à droite. Encore. Encore, 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 encore. Voilà. Ah, ça fait son poids quand même. Ah, ça fait son poids. Après, il y a des cannes bien plus légères que ça. Après, si tu veux éventuellement avoir
moins de poids. Tu laisses ta canne sur le repose-canne là, ouais. Et entre tes jambes, tu as une ouverture. Ah oui, bah, c'est là où je l'ai pris. Exactement. Ah, voilà, et là tu vas t'apercevoir que c'est beaucoup plus simple. Et bah, tu penses moins forcément. Donc là tu devrais remettre ta ligne juste en dessous de ton sillon. Voilà, super. Écoute, maintenant je te souhaite une touche fulgure au point quoi. Et fulgurante. On va tester. En tout cas, ça donne chaud ton truc. Ah. Soleil. Bon ben voilà. Voilà. 4 petites heures de pêche rapidement effectuées. C'est vrai que c'est passé vite. C'est passé très très vite. Effectivement. Bon ben aujourd'hui on va dire que la canne au cou a gagné. Ouais, assez nettement, effectivement. Pour une découverte en parallèle de cet étang, t'as été plus efficace que moi. Ouais, les poissons chats ont été efficaces aussi. Aussi, wow. Mais tu touches quand même deux petites carpettes. Mais je fais deux carpettes, ouais. Deux carpettes. Une miroir et une commune. C'est ça. C'est inouï. Non, c'est le nom du train. C'est le TGV. Donc ouais, voilà, bah, deux poissons de sortie, deux belles carpettes. Donc l'objectif était là aujourd'hui, de faire du poisson, des carpes. On a fait des poissons chats aussi. C'est vrai. T'as fait un poisson chat. Et effectivement, j'ai fait un poisson chat. Non, mais après, c'est un étang qui est quand même pas mal envahi par les nuisibles. On le savait pas ce matin à 6h, on l'a appris dans la matinée. Ça fait aussi partie du jeu, hein. Faut s'adapter. Oui. Et t'as quand même réussi à rentrer du cyprinidé par-dessus. Donc, bien joué. Cypriné. C'est bon, hein, comme mot. En termes de vocabulaire, adapté à la situation et au poisson. C'est bon. Ça. Magnifique. Ouais, c'est. Bon, bah voilà, le premier 1 contre 1, carpe contre la. Carpe à la station, carpe à la batterie. Ah ouais, c'est le premier, d'accord, ok. C'est le premier officiel. Effectivement, ça fait une partie pour Sébastien la première fois. Non, mais c'est bien. Et là, moi, et après, on s'est amusé. On s'est fait plaisir. Un peu nos pêches. Enfin, toi, tu connais la mienne, moi, je connaissais absolument pas la tienne. Voilà, c'est bien. Ouais. C'est super sympa. Bon, bah, c'est l'avantage de votre petite team, là, c'est qu'on découvre, des pêches sympas, on voyage aussi. Bon, on n'a pas voyagé bien loin, on mais. On n'a pas été très très loin, mais on a voyagé quand même. C'est bien. Non, non, mais on fera. Je vous ferai découvrir aussi mon milieu, mon monde dans un milieu qui est le mien, la rivière. Et ce sera sympa aussi. Et j'irai pêcher chez toi donc. Et tu viendras pêcher chez, enfin, pas loin de chez moi. Ouais. Voilà, mais chez toi quand même. On fera comme ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis encore aujourd'hui. Allez vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube, Gira Fishing. Sur Facebook aussi, Gira Fishing. Sur Instagram, Gira Fishing. C'est assez simple en plus. Même moi j'ai trouvé. Si lui l'a trouvé, alors tout le monde peut trouver. Mais je me régale, c'est sympa. Quand il pleut le dimanche, quand on ne sait pas quoi faire, c'est vrai. Sous la couette. Un petit tour sur YouTube. Avec un petit café. Ah, avec un petit café. Ah ouais. Ouais, parce que sous la couette, c'est pas comme ça que je le vois. Ah, après tu fais autre chose, ce que tu veux. Après, il en faut pour tous les goûts. Hein. Exactement. Moi, j'aime bien regarder la vidéo sous la couette. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, un petit commentaire. Et jouez aussi, on a un tirage concours pour aller pêcher chez vous. Donc n'hésitez pas, on traverse toute la France pour pêcher avec vous, chez vous, votre technique de pêche, vos appâts, vos produits, tout ce que vous voulez. Et nous, on vient juste avec un petit sac à dos et notre caméra et notre bonne humeur, comme d'habitude. Voilà. Merci Sébastien. Bah, merci à toi. C'était un réel plaisir. À bientôt. Puis maintenant, je vais aller travailler. Ah bah moi aussi, tiens. Allez, c'est parti. Allez, gros bisous à tous. Salut.